journée, quand il est prêt, on sait que ça se fait quand. Je pense qu'on peut parler de succès quand on arrive au quart de finale ou au demi-finale, parce que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire quand on joue la Coupe du Monde. Als je sowieso vanaf kwart finale op de WK zit, dat je dan al een mooi WK hebt gehad. Maar dan hangt het natuurlijk ervan af, als je dat dan uitlegt, op welke manier. Maar ik denk dat we sowieso voor het hoogste willen gaan. Parce que si on arrive en finale, c'est que on est, qu'on est prêt à 100% et qu'on peut battre n'importe qui. Ça, c'est bien dit, ça. We mogen ambitie hebben, maar we mogen niet denken dat we even zomaar naar de finale zullen stormen, want zo gaat het niet zijn. Quels sont vos pronostics pour les matchs contre le Canada, le Maroc et la Croatie? C'est difficile toujours de dire les pronostics. Le premier match est le plus important. Tu gagnes, tu as déjà 3 points et après tu peux faire un match nul ou quoi. Mais le premier match, il faut gagner. C'est comme le coach dit, chaque match c'est une finale. Parce que chaque match, si tu gagnes, tu prends confiance. Et t'es plus motivé et t'arrives encore plus fort le prochain match. Tout le monde dit qu'on va driver. On va driver, ouais. What is the biggest obstacle preventing you from winning the World Cup? Les blessures, tout ça. Ouais, les blessures, si on ne joue pas bien, si nous. Qui va gagner la Coupe du Monde cette année? On espère la Belgique, naturellement. Bien sûr. On va dire la Belgique, hein. Ça va être compliqué, mais on va dire la Belgique. C'est une bonne question. Hein. Bah, j'espère que ce sera nous. On va tout faire pour. Je pense pas que ça va être facile, c'est une Coupe du Monde. On peut que rien. Dans le revoir de ce. Dans ce doux là. C'est que ça compte une blague. En tout cas, merci pour vos questions. Voilà, je pense qu'on a répondu Arthur et moi. Donc, Le plus honnêtement possible. C'est vrai. Merci PVC.